Bon, attendez, avant de commencer là, il y en a un qui a pas liké et qui est pas abonné là. Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Tiens, et si on testait ce truc là avec Cindy la pute? Comment on fait pour ravitailler le bar? Réapprovisionner. J'ai envie de voir à quoi ressemble la mission. Je l'ai jamais faite, on m'a dit que c'était nul, mais j'ai envie de vérifier par moi-même, tu vois ce que je veux dire? Eh ouais. Alors, récupérer les matières premières. Oula, attendez, on se fait attaquer là. On se fait attaquer. What? Les deux points des pop. Alors, mécano. Vas-y, amène-moi ma bâtisse. Ça fait des lustres que je n'ai pas piloté ma bâtisse. Attends, y'a un mec là. Tu décales, t'es mort. T'es mort, t'es mort. T'es mort. Tu décales pas comme ça. Ouah, elle est belle. Ouah. Ouah, ça fait du bien de ressortir des vieux véhicules comme ça de temps en temps. Récupérer les matières premières. Non mais c'est une blague. C'est une blague. Est-ce que c'est une blague? Il y a une prime à gauche, moi je vais taper la prime. Wow, wow, wow. Reviens toi. Ok, il est dans une je vois pas trop style hein. Black Wolf. Black Wolf. Elle est moche ta voiture. Elle est moche. Et là il y a forcément quelqu'un qui va me dire: ah non mais elle est trop belle sa voiture, c'est toi qui as des goûts de merde. Eh ben va te faire enfuir et... Voilà. Va te faire enfuir, c'est pas interdit de dire ça. Est-ce que vraiment je me tape toute la map pour aller chercher des matières premières? C'est une question que je me pose. Je réfléchis. Non, je vais... On annule. Comment on annule? Allo Lester, annule la mission. Oh, il s'est TP sur moi. Ah, qui s'est TP? Qui s'est TP? Black Wolf. Il a quitté. Valait mieux qu'il quitte. Fils de pute, enfin, il m'a pété ma moto. Tu l'es tout ça parce que... Ah ouais mais tu l'as tué, mais j'en ai rien à foutre, il se téléporte, il a un mode menu, c'est un modeur, je lui pisse à l'arrêt. Si vous êtes pas content, changez de chaîne, merde, vous cassez les couilles, pardon. Il y a personne qui a dit ça, c'est moi, je parle tout seul. Je suis schizophrène, voilà. Ah, qu'est-ce qu'on rigole. Bon allez, on va aller au casino, nous. Non, tu sais quoi, je change de session, cette session, elle porte la poisse. La poisse. Casino. Voilà, suite avec tes races, qu'est-ce que tu vas faire, wesh. Alors, nous voici, nous voilà au casino. Je peux pas recevoir des jetons gratuits d'ici déjà. Ah, je crois que si, il y avait un truc, non? Allô? Service de voterie? Non, 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 c'est acquérir. Ah, on peut en acquérir, mais ok. Bon, allez, on va tourner la roue. Oh putain, je suis dans une session publique solo. Bah, c'est pas grave, je tourne la roue et on changera après. Il y en a marre. Alors, j'ai hâte que ça soit la nouvelle semaine des promos, les potes, parce que franchement, cette semaine-là, elle était à chier. À nul à chier, quoi. Ça manquait d'activité en x2, x3. Il y avait que dalle à part le truc là. Faut... Bah, on va en faire un d'ailleurs pour voir. Je vais vous montrer qu'on l'a fait en live. Oh, oh, j'ai failli gagner la voiture et non, j'ai du putain de closing. Ça casse les couilles, t-shirt béni blanc. Donne-moi mes mistons. Regardez, regardez, c'est ça. Activité, jouer, mode rivalité et une case en moins. Et vous allez voir, c'est pas du tout fun. Bah, j'espère qu'il n'y a pas en fait parce que. En gros, faut prendre du territoire de couleur. Regardez. Ah bah, il y en a qui le jouent, tiens. Mais lance pas. 2v2v2v2. Comment ça, je suis tout seul? Bah vas-y, bah je fais rejoindre. Comme ça, t'es baisé. Je vous dis, les gars, il y en a toujours un. Il y a toujours un gars qui n'a pas de neurones. Qui fait exprès de changer d'équipe pour faire chier. Donc je fais comme lui.
Voilà, et on peut pas lancer. Je bougerai pas. J'en ai rien à foutre. Ils sont trop cons, les joueurs. Moi, je refuse de jouer tout seul contre deux équipes de deux. J'ai déjà fait ça l'autre jour en live. Ça m'a pas fait rire. J'ai aucune chance de gagner. Ça casse les couilles. Donc non, je fais pas ça comme ça. Come on, Dumbass. Nique ta mère. Voilà. Pardon. Alors, toujours. Voilà, bah du coup, je suis bleu. Je suis avec quelqu'un. Voilà. Heureusement que le jeu rééquilibre tout seul. Et donc c'est ça, regardez, c'est pour ça pourquoi j'en ai marre là de cette semaine. Parce que c'est l'activité phare, voilà. Faut rouler sur des cases et colorer avec de la peinture bleue comme dans Splatoon. Moi perso, ça me casse les couilles. Voilà, je trouve le fun. Je trouve pas ça drôle en fait. Ça me fait pas rire, hein. Ouais, je suis un peu... Enfin, pardon, hein. Il y en a peut-être qui adorent cette activité. Donc moi j'ai pas envie de vous offenser. Chacun ses goûts, tu vois ce que je veux dire, mais... Mais pour moi, c'est vraiment de la merde, quoi. C'est de la merde en boîte, cette activité. Oh, j'ai même pas fait exprès, tiens. Voilà, donc moi, ça me casse les couilles. Voilà, donc vivement qu'on soit jeudi. Vivement une nouvelle semaine de promo, parce que là, la blague commence à être longue, hein. C'est une grosse blague. Qui lance GTA Online pour jouer à un jeu comme ça? Personne n'a envie de jouer à ça. Tu lances pas GTA Online pour jouer à ça, tu vois ce que je veux dire? Voilà, on a marqué un point. En même temps, vous allez dire... Vous allez me dire, mais qui t'oblige à jouer à ça? Mais c'est la seule activité x2. Les autres activités rapportent 5 000 $. Tu joues une demi-heure, t'en as pour 5 000 $. Enculé, Vangus. Donc voilà, Rockstar a envie qu'on s'amuse là-dessus. Allez, vivement que ce soit terminé. La souffrance. Voilà, donc je roule sur l'orange parce que l'orange y domine. Eh mince. Non, mais c'est nul. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? De toute façon, les joueurs ont noté 50%. Il y a un joueur sur deux qui trouve que c'est de la merde. Ouais, ouais. Mais ouais, regarde, il est où le fun, là? Ça me fait rire, peut-être. Je m'amuse, là, peut-être. Toujours avec des roquettes, des big bam boom. Et ouais. Regarde, l'autre, il est AFK. Oh, non! Non, mais moi, je suis pas... Moi, j'adore le jeu, hein, les gars. Je veux pas passer pour un aigri de GTA Online, mais à un moment donné... Quand il y a des trucs qui sont nuls, il y a des trucs qui sont nuls. Regarde. Tout le monde tombe. Voilà, donc je peins, je fais de la peinture, voilà, sur des carrés. Voilà, c'est... Et voilà, et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on a marqué un point, il y a 2-2. Et merde. Ah, j'en vois déjà dire que je suis jamais content, quoi. Pour la peine, je vous mets la première personne. Voilà. Waouh, mais c'est trop fun. J'ai lancé GTA et voilà dans quoi je me trouve. Dans Splatoon Junior de merde. Ah, ça casse les couilles. Oh, oh, il y a une caméra. Je suis où, moi? Ah, on peut jouer comme ça. Ah bah là, comme ça c'est plus rigolo. Ah bah là, je trouve la caméra. Ils peuvent pas le dire, la caméra. Et je trouve la caméra qu'on a perdu, quoi. Et voilà, voilà, les gagnants ont gagné 24 000 $. Bon, c'est pas mal pour les gagnants. Moi, 12 000. Je vais essayer de jouer avec la super caméra de Rockstar. Voilà, donc là, je suis en haut. Et merde. Bon, je vais quitter. Quoique, c'est plus rigolo de jouer ça comme ça. Oh non, vas-y, je quitte, c'est bon. On a compris, quoi. Je vais pas me faire souffrir plus que ça. Non, mais voilà, quoi. Tant pis, hein. Après, les gens, après Rockstar, ils vont dire « Ouais, mais les joueurs, ils quittent les activités. » Bah ouais, bah... La gueule des activités, quoi. Non, mais parfois, les choses les plus simples sont les meilleures, les potes. Et je sais pas, moi, je rêve de bons affrontements x2. Jamais les affrontements ont été x2. Jamais les affrontements sont x2, les exterminations, jamais c'est x2. Voilà. Alors que c'est le truc basique que tout le monde kiffe, quoi. On se tire dessus avec certaines armes dans un endroit précis. C'est du deathmatch, c'est du team deathmatch de Call of, quoi. C'est du truc basique, quoi. Et non, jamais. Par contre, ils vont toujours te mettre des activités bizarres, x2, x3. Des trucs de couleur, des trucs... bizarres, hein. Là, dans tout ça, il y a rien de x2. Les preuves de survie, elles ont été x2 une semaine, vite fait. Conquête, c'est jamais x2, ça rapporte rien. En fait, il y a... Tout ne rapporte rien. Du coup, on se retrouve avec des activités vides. Inutiles. Moi, j'ai fini de gueuler, les gars. C'est bon. J'arrête de gueuler. Oh non! Donne-moi ta caisse, toi. Tu veux pas me laisser ta caisse?
Allez, allez, duel. J'accepte. Vas-y, viens. Viens, 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 viens. Viens. T'es où? Mec, il me lance un duel, il vient pas. T'es où, petite merde? Oh, la mort de merde. Eh ouais, faut pas lancer des duels, hein. Allez, viens, duel. Fais le malin, toi. Mec, il veut faire le malin, il demande des duels. Tiens, il est mort, hein, sur le coup. Sur le choc, hein. Putain, il a respawn au milieu de l'autoroute, il s'est fait éclater, quoi. Petite merde que tu es. Voilà, donc moi, après, on va dire, ouais, Chita, tu varies pas les activités, on te voit foutre. Il me dit, bro, stop. C'est toi, tu me lances un duel. Espèce d'idiot, va. You start the fight. Ouais, ouais, you start the duel. Je sais pas comment on dit, moi. I didn't. Yes, you did. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai la preuve vidéo que c'est lui qui a commencé, hein. A lancer le duel, bien sûr. Il est mort. Oh merde, j'ai raté ça. Oh merde. Wow. Bro. Mais frérot, c'est toi qui fait duel. Ferme ta bouche un peu. Gagné. I just want to play. Je vais dire. I want to play with you. Vortex kill you. Ton pseudo de merde là. C'est lui là. D'où tu provoques? Je te fais une blague. Ça te fait pas rire ma blague? Big bam boom devant le casino, ça te fait pas rire? Olé, olé. Bro. Bah active le mode passif. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Active le passif mode. Il est où? Il est là. Ta gueule. Bro, bro, bro. Tu veux un verre d'eau? C'est de la merde ce que je dis. Bon, allez, je le laisse tranquille, il fait de la peine. Allez, il fait grave de la peine. Allez, j'ai pitié là, mais on met une petite musique triste là. Titanic, mes couilles là. Allez les potes, bon bah nous, il s'agirait de faire quelque chose. Ah ouais, il y a ça, super. Alors ça, je les ai fait. Non, par contre, faut pas qu'il continue de pleurer dans le chat. Hein. Piece of shit, ah il m'a insulté. Là par contre, là, ça t'aurais pas dû. Là, t'es allé trop loin là. Là, t'es allé trop loin là. Sauf merde que tu es, va. Voilà, donc nous, voilà, cette semaine pour s'amuser. Voilà ce que Rockstar nous propose. Je les ai déjà tous fait en live sur PS5. Bon, c'était fun, mais ça dure, voilà, ça dure une demi-heure. Et après, voilà. Voilà, il y a ça pour gagner 150 000 si tu fais les 10 sauts. Voilà, alors moi je vais en faire un pour gagner le sac à dos, mais je ferai pas les 10 sur PC. Voilà. Allez, on saute. Voilà les potes. Voilà le jeu que Rockstar nous a sorti. Bon, ça arrive, hein, c'était. Et, ah oui, il y a le hangar en promo. Oh, trop drôle. Putain, qu'est-ce que j'aime les semaines de promo comme ça, quoi. Rien à faire sur le jeu, quoi. À part jouer. Oh putain, merde, fallait que je passe à la salle d'arcade. On va passer à la salle d'arcade, on finit ça. Ok, il y a un modeur. Le jeu ressemble à rien sur PC, c'est terrible. Allez, oh bah voilà. Et merde. Et flûte. Et flûte, et flûte, et flûte, et reflûte. Bon, nous, on passe à la salle d'arcade, c'est parti. Il y a deux modeurs, je crois, qui se fight juste devant moi. On snipe explo. Amène-moi ma coup, tu dragues. On va vite se casser de là. Milk and cookie. Si, je lui mets un coup, c'est un modeur. Oh merde, je l'ai raté. J'aurais pas dû le rater. Wow, go salle d'arcade. Eh mince. Oh, Luca boy, toi tu vas payer cher, toi. Il va me voler ma moto. Toi tu vas payer très cher ce que t'as fait, non? Oh, t'as de la chance, je suis devant la salle d'arcade. Ah, toi t'as de la chance. Alors nous, il me semble qu'on a des sous à récupérer. Alors déjà on va reprendre des encas, mais on a des sous à récupérer dans le coffre. Hein. Je crois qu'on a près de 80 000 $. Ce qui n'est pas rien. Voilà, j'avais plus d'Anka. Voilà. 65 000 $. C'est déjà pas mal. Bon, là, on va refaire tourner les business. D'ailleurs, il me semble qu'on avait gagné de la rapro de Met. Nous, là, on va s'occuper sur le bunker. On va checker le bunker, voir la boîte de nuit aussi. Combien de biens on a à vendre. Oh putain, comment ça, le bunker est vide? On réapprovisionne.
Alors. Bon bah voilà, il y avait que ça à faire dans la salle d'arcade. Hein. Bon attendez avant de commencer là. Il y en a un qui a pas liké et qui est pas abonné là.